spécial américain, hein, alors ancien envoyé spécial américain en Haïti, qui c'est Daniel Foot lui-même qui parlait. Oui, il parlait sur plusieurs sujets, puisque hier, il était devant la commission affaires étrangères congrès, parmi les déclarations qu'il fait, mais il disait ancien envoyé spécial américain Daniel Foot a mis accent sur la gravité de la situation dans le pays d'Haïti, côté capital, journée jeudi, en a mis gang armé, il y a gang ça, il y a plus bien équipé passer la police. D'après ça, Daniel Foot a souligné, je n'en dis pas, devant la commission affaires étrangères congrès. Foot a placé premier ministre intérimaire là Ariel Henry dans même bateau ak PHTK parti qui sous pouvoir PHTK mettait Haïti parti qui sous pouvoir PHTK qui mettait Haïti côté lié à journée jodi a et par quoi parti PHTK ta supposé faire partie solution wa. Nous c'est ça, c'est plusieurs sujets j'en ai dit là qui Daniel Foot qui c'est ancien envoyé spécial américain dans un pays d'Haïti de quitter devant commission affaires étrangères congrès. Oui, nous avons passé là avec information côté Daniel Foot lui-même dit en pile parole hier devant congrès là. Et puis il parlait des questions bah gang que lui-même dans observation parle pendant le devenir jeudi l'Eltevin en Haïtien qui jeudi à la lycée Yonan c'est un gros problème qui gagne en de pays là qui a prolongé société y a d'après ça Daniel Foot lui-même lui a dit pour Daniel Foot ancien envoyé spécial États-Unis en Haïti à condition sécurité y a lui jeudi à la lui par rendez-vous pour qu'il s'organise élection en de pays là et pendant que monsieur lui-même jeudi alors auditionné jeudi qui était Daniel Foot n'a parlé là commission a fait quand j'ai chambre représentant américain ambassadeur Foot qui décrit une situation insécurité en Haïti, particulièrement préoccupé que qui a détérioré chaque jour, selon sa Daniel Foot lui-même l'a dit. Daniel Foot lui met accent sur le phénomène kidnapping qui prend j'arrête net en de société haïtienne. Lui souligner que parfois il a enregistré 24 enlèvements contre rançon dans la région métropolitaine. Lui fait qu'on est gang armé au contrôlé route principale, quartier, capitale et certaines villes, provinces. Daniel Foot lui fait remarquer que gang yo est en yo dans divers côté en d'un pays dans des quartiers que moun bata même pensé tant qu'aujourd'hui à la dans Pétionville. Daniel Foot dit gang armé yo pi bien équipé, bien pi bon matériel nan meyo et yo pi bien organisé que la police nationale là hein qui là pour capable assurer sécurité aux citoyens yo. Ça veut dire Daniel Foot nan constat pas pendant te passe en Haïti là mais li wè que nan constat pas nan donné que le gagnant gang yo pi bien équipé et yo gen yo pi bien organisé que la police. Ancien envoyé spécial américain, libéré en faveur de l'assistance technique pour la police nationale haïtienne, qui a permis de renforcer la formation policière avec un meilleur encadrement pour meilleur résultat dans ce qui est avec la question de sécurité. Daniel Foot rappelait qu'un pile massacre qui est arrivé fait en un pays, c'est gang armé qui jodi a là qui occupe un pile côté dans pays et qui a fait et défait qu'a fait la loi passer en un pays. Daniel Foot lui-même libéré démission lui. N'a pas envoyé spécial en Haïti pendant qu'un signe de protestation s'annulait pour qu'il soit mauvais traitement pour que réfugiés yo t'apprécevoir bien apprécevoir en bas mes autorités américaines yo dans question frontière del Rio état Texas et il fait un peu de recommandations avec question crise haïtienne non côté il dit autorités américaines ignorer ensemble recommandations le faire et surtout dans niveau département d'état américain c'est ça comme parole Daniel Foot lui-même il dit et n'a venu avec plus de détails sur ça dans question donné Daniel Foot ancien envoyé spécial américain haïtien nous tout gère rendez-vous dans l'émission booster avec Romanès samedi par des invités surtout et d'après tant que oui nous songer qu'il est même qu'ils font proposition pour permettre qu'il y ait une question dossier sécurité oui nous pas besoin force étrangère mais plutôt besoin d'un appui technique matériel ça dans trois mois pour que problème insécurité capable résoudre nous regarder tout détail ça yo dans l'émission booster avec Romanès samedi même dans notre goûter dans journal méga matin. Non, pour suivre avec information tout sous dossier accord et sécurité internationale pour une transition coupée fâchée qui continue de faire plaidoyer pour accord Montana qui d'après responsable ça aussi accord qui répond à tout bon vrai revendication population hein document ça charrie ensemble revendication population d'après Delson Sius qui pas écarté possibilité pour tout accord au fond en côté Delson Sius en ami Blaise Peterson et Blaise c'est pas seulement pendant le BHTK
son crise qui à la fois une dimension structurelle et puis une dimension conjoncturelle. Mais à travers la Montana, nous croyons que solution qui traverse ou encore l'idée ou volonté politique qui traverse à Montana, nous croyons que la permettre au moins nous porter des palliatifs, au moins nous arriver avec des solutions pour nous poser vos repas, pour nous réconcilier avec nous, pour nous reconduire l'État, reconduire PIA qui, depuis quelque temps, en crise, qui, depuis quelque temps, a connu des situations catastrophiques, des situations difficiles. Table dit là pour vous-même, accord Montana, je vais expliquer là, c'est un meilleur accord qui vous a aidé pour la sortie de la situation de jeudi à là. Ce n'est pas nous qui disons blesse, c'est l'opinion publique, c'est la société qui réclame, c'est des coups progressifs, aussi des, ou encore, nous avons dit, force même accord de Montana, parce que nous prenons en compte deux dimensions qui sont une crise qui est aussi complexe, qui est aussi aiguë, que trois grands mondes arrivés au Chita et au Pondi en document. Et puis on ne prend pas en compte des ensembles de revendications, des ensembles de groupes qui sont même impliqués dans la crise là, et pour parler de l'État en accord politique. L'autre information dans le journal là, il y a divers employés EDH qui manifestaient devant le local administration EDH qui trouvait dans Juvena. Ayer jeudi là, dans la zone hôtel Caribé, protestataires ont dénoncé ancien DG AIAN, ancien DG EDH, Michel Présumé, il a dit qu'il louait au CAI pour $72,000 américains. Protestataires ont exigé réintégration, tout employé ancien DG a été révoqué. Protestataires ont obtenu nomination un nouveau DG qui doit un technicien boîte là, en côté divers. Dans le micro collaborateur, nous avons Philippe Massé. Bon, nous pas dire devant EDH parce que si vous regardez là, pas de aucun qui écrit EDH. C'est un appartement qui est Michel Présumé, ex-directeur général EDH là, c'est loué pour $72,000 américains. Les villes mettent tête là pour faire correction avec un petit groupe nègre qui était sauté avec eux dehors. Actuellement là, comme nous déjà connaissons, Présumé pas là encore, mais il quitte Racini, qui c'est Woodoff Legem, et deuxièmement, il y a un autre élément qui relève la porte de Nexario, c'est des directeurs, un c'est directeur financier, un c'est directeur administratif. Donc, M. Sayo a misé, il y a un bureau ça avec un petit groupe employé en Russie, qui n'est pas même d'accord pour arrêter là, parce que si nous regardons l'environnement, ce n'est pas l'environnement qui a dû gagner un bureau de l'État. On a regardé si on a une petite machine là, ce n'est pas côté machine ça qui a monté avec zone côté de la situé. Mais étant donné que nous avons besoin de zone côté pour faire corruption plus, nous venons mettre bureau ça là. Nous-mêmes, nous gagnons comme revendication. Nous gagnons un certain d'employés qui étaient révoqués dans le plateau central. Nous gagnons des dirigeants syndicats qui étaient révoqués arbitrairement et illégal. Nous gagnons des gens qui ont été transférés sans qu'ils n'aient pas respecté les normes administratives et règlements internes de l'institution. Nous demandons pour le ministre Edouard, en tant que ministre qui était descendu dans l'EDH récemment, il est venu là, il est venu dans l'EDH, il dit que il prend doléance de tout ça que il prend doléance de tout ça que nous t'a dit lui qui s'était réintégré tout employé qui révoqué plateau central, c'est réintégré dirigeant syndicat, c'est réintégré dirigeant syndicat qui était révoqué, le ministre doit te prendre note, il dit nous, l'app travail, il y a un résultat qui nous satisfait avec lui, bien que ce n'est pas tout le bagage qui est en OK. Groupe Capapi rapatrié à réfugiés condamné face aux autorités dominicaines. Vous voyez tourner en Haïti 27792 compatriotes haïtiens pour mois septembre passé. Face à la situation, sa responsable communication et programme dans gare, Joseph Mike Lizias a demandé aux autorités dominicaines de respecter les droits haïtiens. C'est tout différent avec l'État haïtien et avec l'État dominicain. Puis loin, M. Lizias a fait qu'on ait continué à accompagner les citoyens qui ont gros difficultés pour fonctionner comme ça doit dans le pays parce qu'en pile d'ailleurs te vendre tout ça au gain puis à chercher la vie meilleure qu'aille voisin en côté Joseph Mike Lizias en ami Peter Sonblaise. Nous enregistrer pour moi septembre non soit premier arrivé 30 septembre 27792 monde ça c'est des gagnants qui c'est monde qui choisi retourner en Haïti pour compte pas eux sans que c'est pas République Dominicaine qui voyait retourner. Et puis, il y a un monde qui est la République Dominicaine qui pourrait retourner dans le cadre des activités de rapatriement que y a fait. Parmi 27 792 personnes, nous avons 25 052 qui sont des retours spontanés. J'en ai dit, il y a un monde qui choisit de retourner en Haïti.
et dans 25052 retours spontanés ça nous gagne 13347 garçons, 8794 femmes, 1390 filles et puis 1521 petits garçons. On l'autre côté nous gagne 2740 moun République dominicaine rapatriés pour mois septembre là. Parmi eux gagne 2425 garçons, 204 femmes, 14 filles avec 97 petits garçons. C'est quantité moun sa yo que gars lui-même l'a enregistré qui sortit en République dominicaine qui arrivait sur frontière ou entrer en Haïti. Kounya, c'est comment dans le pays d'Haïti n'a pas invité autant de petits bouts dans la déclaration Mackenzie Kelly. Parce que on a été pour Léon Charles, qui n'a pas fait tout côté dans le pays. Garçon n'est pas capable de vivre sous département par rapport avec des questions qui n'a pas ou par rapport avec bandits qui a demandé 100 000 dollars américains pour gaz traverser l'espace. Si Léon Charles n'a pas d'intérêt dans le pays, il a pris une disposition pour faire les gaz ou pour conduire les gaz traverser ma distance pour venir en province. Je dis à nous penser que si PM n'est pas de connivence avec Léon Charles, que le ciel. Si Léon Charles nous sorti ligue munité dans lui, il faut qu'il retire pour le côté de l'IA parce que ça va être résultat. Eh bien, je dis à nous-mêmes, vous marchez, départ. Plein de motivés, départ. Léon Charles, comme de monde qui est soucieux de sa peuple, non, sa peuple est là, je dis. Voilà, nous avons écouté un petit bout de déclaration Mackenzie Pierre-Louis qui m'a dit avec Pierre-Marielle Henry pour évoquer deux montagnes et Dom Do Divin en tête travaux publics dans la Tibonite et directeur général de la PNH et M. Léon Charles. Nous avons fini avec l'information pour nous dire que ça a gagné presque 8 jours là depuis que il y a un décapissement qui fait dans la zone Chada, dans Déronville, côté que il y a une famille qui est même gagné en décision justice sur en faveur, mais un bagage plus passé environ une dizaine de monde dehors, et depuis samedi passé à Montao qui a dormi à la belle étoile, justement, et côté que à Montao qui a acheté terre depuis plus passé 20 ans, 15, 20 ans, et 25 ans même, non mais on l'autre famille, mais vrai initio, il y a même eu une décision de cassation qui se tient par eux, et bien il y a un dégâtissement là, famille Silao qui va commettre, qui fait pour relais, parce que il y a demandé pour réacheter ça, il y a vraiment énorme, et dans ce sens, il y a demandé à l'autorité, il y a responsable, et justement, pour être capable de jeunes, faire une concession pour eux, pour une façon d'être capable de retourner dans le caillou, parce que pour le moment, il y a dans la rue, donc Timon Yodé à l'école, Radga est passé par là, donc il a demandé avec les responsables, les gens qui héritent, les autorités de la justice, pour qu'ils fassent ça, ils sont capables, je n'en tente, et à l'amiable, pour qu'ils soient capables de retourner dans le caillou après ça, ils sont capables de négocier de toute façon. Ils ont réacheté, ça, on a rappelé, ils ont passé une dizaine de familles qui concernaient dans le dossier.